Je vous rappelle d'abord que ça sera sans vaseline. Tous les coups sont permis. Donc le clash qui arrive là. En tout cas, je ne veux pas entendre les pleurs. C'est interdit de pleurer. Action. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Lolita veuve Shine. Lolita la baronne. Où? Lui? La Bordé qui vient en Suisse là. Qui est restée veuve là. On y va. Veuve Shine, que c'est comme ça qu'on t'attendait sur internet. Comment? Comment ça? Moi je comprends rien. Tout le bruit que tu fais là, avec les cheveux sales, mal habillés. Jamais. Tu n'avais pas besoin de tout ce que tu continues à faire là. On veut que tu prennes un peu de temps pour ton ex, ton mari. Vous comprenez? Tout le monde qui porte à la frontière Cameroun, machin, ça va péter. Suisse, France, là. Ouais. Matin, midi, soir, elle est dans le bordé. Hein? Qui ça? Zomombe. Hein? Qui? 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 Zomombe. Hey, on s'en pisse, on s'en tape. Le paysan vient, il tchouk. Le veuvage. Tu vas faire le veuvage quand tu es là, voum, 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 voum. Tu ambitionnes de pleurer ton mari, quel jour? Celui qui vend le chameau, il tchouk. Celui qui n'a pas l'argent, il tchouk. Celui qui n'a pas ceci, tous les problèmes et la malchance de la Suisse déposée à la frontière, on va porter ça et pas avec tous les soirs. Wow. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Pas facile. Je vais te montrer comment une veuve se coiffe. Tu vas toucher la pension. Hein. Tu vas aller toucher la pension de M. Shine alors que tu ne te comportes pas comme une veuve. La Bordé, veuve Shine, Lolita la parole, qui écarte partout. Hey. Tout le monde qui porte finalement à la frontière Cameroun, machin. Qui est Bordé, pas du vous France, matin, midi, soir, elle est dans le bordé. Le paysan vient, il tchouk. Celui qui vend le chameau, il tchouk. Celui qui n'a pas l'argent, il tchouk. Tu es internet, tu es avocate, juge, okay. Magistrate. Tu juges tout le monde. Tu fais un métier, tu n'as même pas appris ça à l'école. Mais fais-moi un peu, étoile Kribel, je sais qu'il dit que toi, là, ma soeur. C'est chaud. Étoile Kribel, j'ai bien vu me faire la vidéo pour me dire que la baronne, tu n'es pas ma mère, ne me donne pas les conseils. Et je t'ai dit que tu vas vite te retrouver dans les problèmes. Tu es ma petite soeur que j'aime beaucoup. Mmh. Et je dis toujours à tout le monde que tu n'es pas méchante. Ah bon? Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'émotions. Tu es quelqu'un de bien. Et toi, tu es bien. Tu es quelqu'un de bien. Mais c'est quoi le problème? Ce que tu penses, je m'en fous. Mmh. Parce que tu ne vas pas imposer aux gens ta façon de penser. Tu n'es pas Dieu sur les réseaux sociaux. Je pense comme je veux. Toi-même, tu n'es pas journaliste au Cameroun. Tu ça, c'est le clash des bengistes. Tu ne travailles pas au ministère de la Justice. Au Cameroun, tu ne connais pas les secrets du ministère de la Justice. Tu n'étais les pas là. Du continent. Tu es en Europe comme moi-ci. Tu n'aimes pas. Regarde, l'affaire Bruno Bidjan. Je t'ai dit que laisse le monsieur là. Il suit l'affaire Martinez Zogo. Oh, il dénonce la vie chère. Oh, les Camerounais, il faut aller marcher pour lui. Je t'ai dit que laisse l'affaire là. On est où? On a inculpé aujourd'hui sur l'affaire Martinez Zogo. Est-ce que tu as parlé de ça? L'affaire a quand les femmes se clashaient. Le zonglo. Tu es encore venu dedans. Je t'ai dit que laisse. Quitte dans l'affaire, ce monsieur a des raisons. Tu es venu rester en fuyant, tu n'en as brûlé le doigt. Tu es venu dans l'affaire Karimo. Moi-même, quand on a commencé, j'étais dedans. J'ai dit que Karimo avait tort parce qu'elle a voulu cacher ce qui s'est passé à Kribi par rapport à Samy. Parce qu'elle avait peur par rapport à ce qui s'était passé avec notre frère Cabral. Elle s'est dit, si on parle encore d'accident, ça peut déranger son business. C'était la vérité. Ah elle n'a pas voulu dire qu'il y avait eu un accident pour créer, parce qu'elle lançait un nouveau produit. C'était rien que ça. Je t'ai expliqué ça. On s'est parlé. Je t'ai dit que laisse une histoire. Maman, tu prends ta part d'info là-haut. Le problème s'est passé à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont mal fait l'opération du petit. On a posé, tu as dit oui, tu as compris. Résultat, tu es encore allé changer de bouche. Tu t'es retrouvé seul. Je t'ai dit que One Love va te laisser en route parce qu'ils vont tourner comme ça là. Parce qu'ils cherchent l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, l'affaire est finie, encore le poisson. Tu es resté dedans. Tu as commencé à tourner avec One Love. Parce que si tu m'avais écouté, tu serais sorti là-bas comme une grande dame. Comme une grande dame. Si tu veux qu'on fasse confiance aux informations que tu donnes, prends ton vol, tu vas au Cameroun, tu voulais m'offrir un vol. Va au Cameroun, tu mènes tes investigations sur place et tu viens nous donner les informations, on va faire confiance. Parce que c'est trop facile de venir t'asseoir, de prendre ta part d'informations. Tu as pris ça. Et vous êtes toujours dans la désinformation. Vous pensez que j'ai honte? Vous parlez de la diaspora. Je vois les gens me taguent partout. Allez taguer les toits crudiens qui avaient dit que vous ne battez pas vous adresser à Canal 2. C'est ce que vous nous amenez sur la toile. Nous avons dit ça parce qu'on pensait que c'est parce qu'il a dénoncé. C'est ça le problème sur les réseaux sociaux. Wow. À peine il a parlé d'un truc, on l'a arrêté. On était Dieu pour savoir qu'on l'a arrêté parce qu'il est mêlé de près ou de loin à l'histoire de Martinez. Tu as vu le micro, je suis de ta catégorie. Veuve Shine, quand tu prononces mon nom dans ta bouche, je suis ta collègue. Veuve Shine, la Bordé,
Tu as recommencé encore la, la bordellerie avec les enfants déjà. T'inquiète. Au Benoît Siri, les enfants, sur les enfants de Truy. Tu as recommencé. Tu n'attaques pas. Facebook, c'est la bordellerie. Ton mari, un temps soit peu, ah. On est quand même l'illusion que bon, il pissait sur toi. Aïe, tu ne veux pas. Tu ne veux pas nous accorder ce bénéfice du doute. Qu'on imagine quand même que il t'a pointé un jour. La chaîne de télévision de Canal 2. Canal 2 a fait un reportage où Canal 2 a dit qu'on a arrêté Bruno Bidjan parce qu'il a dénoncé. Ma soeur et toi, Cribien. Donc, reste que sur Facebook, ça nous trouve. Mais qu'est-ce dans l'affaire là? Et toi, Cribien n'a pas un mauvais cœur, mais elle est trop embrouillée. On dirait qu'on l'avait fait au village. On dirait qu'on l'avait fait au village. Ça t'était mélangé comme ça là. Personne ici sur les réseaux sociaux ne doit nous fixer les directives. Je dis bien personne. Personne ne nourrit l'autre. Car il y a un dossier, chacun donne son avis. Il faut que certains arrêtent de vouloir museler les autres. Chacun donne son avis et personne n'a la science infuse. On se trompe, on se trompe. Bruno Bidjan a dénoncé la famille Lo, les Ruto, Lo, le ceci. Pop, on a appris qu'on l'a arrêté. La première information qu'on nous a donnée, c'est qu'il a dénoncé la vie chère. Nous aussi, on vient le défendre en disant que comment quelqu'un peut dénoncer la vie chère, on l'arrête. Est-ce que nous on savait que c'est pour le dossier de Martinez Zouzou? Non. On peut être mélangé comme ça sur Facebook. Non! Ma chérie, il faut te calmer. C'est ça qui te met dans tous ces problèmes. Si tu regardes, si tu fais ton bilan, tout ce que tu as défendu, c'est dans. De toute façon, à la fin, tu as donc. Vous savez ce que vous trafiquez. C'est quand ça vous arrange que vous trouvez que les informations qui ont été données sont bonnes. Je n'ai pas envoyé Bruno faire quelque chose de mal pour qu'on m'attribue la complicité avec Bruno. Je ne suis pas complice de qui que ce soit. Mais comme tout le monde, on donne nos voix. Et je défends qui je veux. Oui, on nous met en vie. C'est comme ça qu'une veuve s'habille. Une veuve distinguée. Tu t'habilles. Mais tu t'habilles en noir. Tu vas faire ça quand. Tu es déjà ce délai. Voum, voum, voum. Tu as recommencé à chercher les femmes. C'est une prescription médicale. Tu es obligé. Tu ne peux pas attendre même 2 mois ou 3 mois. C'est comme ça qu'une veuve s'habille. On le prend tous les jours. Tu t'habilles comme ça. Tu viens donc nous raconter. Mais toi, tu n'as pas le temps. Tu n'es même pas prête. Tu as aimé ton mari. Tu n'as pas aimé ton mari. J'insiste et je persiste. C'est vrai qu'on connaît ce que tu aimes. Mais il fallait faire semblant. La terre qu'on pétille là, on aborde la terre avec politique. Porte les habits noirs. Tu rases ton crâne. Ah oui, la tête là. Tu peux avoir un trapèze comme ça là. Hein. Ok. Peut-être que tu as raison. Hein. Le trapèze. Si la tête est comme le trapèze, c'est pas du tout bon. Tous les coups sont perdus. Genre de tête qu'on a lancé là à la naissance. Vous, c'est arrivé, ça s'était pas bien comme ça. Ouh, tu as raison. Ce que tu fais là, à raconter la vie des gens, à valoriser certaines personnes et à négliger d'autres, à mépriser d'autres. Alors que toi-même, tu ne vaux rien. Tu ne vaux même pas 1 kilo de viande avec os. Ok. C'était tout pour le buzz du jour. C'était tout pour le clash de la diaspora. Clash du jour. Je vous attends en commentaire. Donnez-moi vos avis. Comment vous avez trouvé la vidéo? À demain pour un nouveau clash. C'est toi, Jenna Franco. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.